Bonjour Monsieur Philippot, en 2017 vous avez relayé un faux SMS à des fins politiques et vous avez déclaré quand ça a été découvert, je me suis fait avoir, je ne le referai plus. C'était suite à une visite apocalyptique qu'on avait faite avec Marine Le Pen et <laughs> à la cathédrale de, de Reims. Ouais, il y avait 300 antifas, c'est épouvantable, enfin très agressif. Et ensuite, ouais, ouais, un, dans l'excitation, j'avais relayé un, un texto, effectivement je m'étais fait avoir, j'avais cru que c'était un vrai, j'avais relayé. Ça pouvait être vrai honnêtement hein, parce que c'était un truc très agressif et on sortait d'une séquence très agressive. Oh, je sais plus exactement mais c'était une espèce de menace dans le texto et, et on retrouvait contre Marine Le Pen et on or, on sortait d'une séquence qui avait été qui était filmée d'ailleurs qui était vraiment agressive. Oui, c'est vrai. Bah il faut éviter effectivement la mesure du possible, on n'est pas un, on n'est pas infaillible mais il faut éviter faut essayer d'éviter de relayer ça. Malgré tout... C'était euh... pas intentionnel. Non, c'était pas intentionnel, mais le, le, le plus grand, à mon avis, producteur de fake news ces dernières années, c'est le gouvernement.